Bonjour les fleuristes, je vous propose aujourd'hui une composition hors tissu sur le thème d'Halloween avec les fleurs du Var. Strelitzia, Amaryllis, Gerbera miniature pompon, du maïs décoratif, de l'eucalyptus. Alors j'en ai gardé avec les feuilles et sans feuilles, et un petit feuillage teint en rouge. On va réaliser notre structure avec du Mitsumata et du fil d'aluminium. Pour commencer, on va attacher notre Mitsumata avec le fil d'aluminium orange. Créer donc des espaces pour pouvoir intercaler nos fleurs. On va monter également les épis de maïs avec ce même fil d'alu. On va commencer par glisser nos maïs. On va passer d'abord les tiges d'amaryllis parce qu'elles sont plus grosses. Pour se simplifier la tâche, on va attacher au fur et à mesure nos fleurs, mais toujours au même point avec le sautiba. On va venir ensuite avec nos fleurs de Strelitzia. On va mettre nos amaryllis tous dans le même sens pour créer une dynamique et donner de la force au bouquet. Alors, quelques baies d'eucalyptus pour amener un petit peu de flou. La sauge teintée pour garnir un petit peu la base. Et quelques germini pompons pour amener un peu de rondeur et de calme au niveau de la structure. On viendra finir avec une petite collerette d'eucalyptus, plutôt court. En fait, ce sont les ramifications de l'eucalyptus dont j'ai gardé que les graines.
Et voilà pour ce bouquet Hortisud sur le thème d'Halloween avec la fleur du Var. Je vous laisse le soin de vous l'approprier à votre image. Pour se faciliter la vie, on va... Non, pas pour se faciliter la vie. Si Alors, je te dis quoi Pour plus de facilité. Allez, on se le dit comme ça. Pour se faciliter la vie. Pour que ce soit moins gaz... Donc...